L'agriculture biologique est une révolution profonde dans le développement de l'agriculture. Avec l'amélioration de la qualité de vie, la priorité de la consommation alimentaire est également passée de la quantité à la qualité. L'agriculture biologique, devenue un mode de vie sain, est désormais populaire à la ferme comme à la table. La ville de Thiéli, dans Heilongjiang, est située dans une région froide, aux terres noires, à forte concentration de matière organique. À cela s'ajoutent des précipitations et un ensoleillement abondant, qui font que le riz local est pur comme du jade. Avec une texture cristalline, un goût long et sucré, et une valeur nutritionnelle riche et diversifiée. Le riz de Thiéli a reçu plusieurs prix de la foire forestière et d'autres titres tels que le riz rassurant. L'académicien Yuan Longping a signé pour la base de riz vert de Thiéli. Ville verte de Yichun, riz vert à grains ronds en terre froide au service de l'humanité. Passons à d'autres régions de la Chine. L'Anhui, dont la production céréalière est la plus élevée du pays, fait valoir sa position géographique privilégiée du sud. Le district Wanjian de l'Anhui, à la frontière avec le Yangtze, est situé dans la rive nord du Yangtze inférieur. Bordé par la montagne d'un côté et la rivière des trois autres, il est doté d'une terre fertile et d'une eau de bonne qualité, qui offre d'excellentes conditions au développement de l'agriculture et qui en font la meilleure zone de production d'huile de cuisine. Développée par l'Académie des sciences agricoles de Chine, l'huile de colza 7D de haute qualité est née sur cette terre. Grâce à la sélection minutieuse des graines de colza, au procédé par micro-ondes, au pressage à bas résidus, au raffinage vert à basse température et à d'autres innovations technologiques clés, l'huile de colza est dotée d'une texture claire et brillante, et d'une saveur pure et généreuse et d'une valeur nutritionnelle plus riche. Cela inaugure également pour l'huile de colza une entrée progressive dans l'ère de haute qualité. En descendant plus vers le sud, se trouve dans la région autonome Zhuang de Wangxi, le pays natal du thé bio de Chine et l'une des 10 régions de thé les plus charmantes de Chine, le district Jiaoping. Il est situé dans la partie orientale de Wangxi, où les monts sont luxuriants et nuageux et les précipitations abondantes. La durée de la période sans gel peut atteindre 310 jours. Cette position géographique unique et ses conditions météorologiques privilégiées offrent des conditions inégalées au développement à Jiaoping du premier thé de début de printemps de Chine, vert, écolo, sûr et bio. Le thé biologique de Jiaoping prend comme matière première les bourgeons à feuilles uniques, qui sont ensuite traités avec grand soin. Ce thé a une couleur claire, un goût doux et un arôme riche, et est considéré comme l'un des meilleurs thés. Dans le nord-ouest de la Chine, le blé devient la principale culture vivrière. Le district Chite est situé à 45 degrés de la latitude nord, une zone reconnue mondialement comme étant propice au blé de haute qualité. Ici, l'ensoleillement est abondant, le climat est frais, la terre est fertile et l'eau de neige est pure, offrant le meilleur environnement pour la croissance du blé. La culture du blé peut remonter à la dynastie Han. De nos jours, plus d'un million de mûs de blé sont plantés à travers le district, lui valant le surnom de grenier de Qingshan. Le terme « raffiné » résume la nature intrinsèque de la culture alimentaire de la Chine. Confucius disait « L'on ne peut jamais se lasser de la nourriture raffinée ». Cela traduit avec précision le sens de la gastronomie des Chinois. La nutrition des aliments réside dans leur croissance respectueuse des lois de la nature. La gastronomie chinoise, dans toute sa diversité, ne peut se passer de l'agriculture verte. La beauté de la Chine
réside dans son goût pour la pureté et la santé.